Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Scène de presse. Scène de presse, c'est votre plateforme de débat sur la CRTV avec des invités de choix qui croisent le verbe en toute liberté. À la une de cette édition, livre et manuel scolaire au Cameroun, les travers de la concurrence comme partout ailleurs. Elle était supposée bonifier la qualité, mais la communauté éducative ne cesse de compter les mauvais points de l'ouverture du marché du livre et du manuel scolaire. Multiplication exponentielle du nombre de livres au programme officiel, qualité approximative de certains contenus, renchérissement des coûts, corruption et concussion des acteurs du secteur, prolifération des livres piratés ou contrefaits. La liste n'est pas exhaustive. Les parents et les enseignants trinquent, le niveau des élèves baisse et Scène de presse ouvre la page noire du libéralisme dans le secteur du livre et du manuel scolaire. La rentrée scolaire 2015-2016, c'est ce lundi. Destination au Cameroun, la 12e session du Conseil national du tourisme s'est tenue cette semaine à Yaoundé. Malgré un environnement sécuritaire perturbé à l'extrême nord, le secteur touristique camerounais marque des points, mais pas assez. L'Afrique en miniature tutoie à peine le million de touristes par an. Comment faire du tourisme une véritable industrie au Cameroun? Comment mieux vendre les richesses touristiques de notre pays? Ces questions sont sur la table du débat ce soir. Également au menu de Scène de presse ce soir, vos rubriques habituelles, la revue de presse que signe Gladys Lobouda, le directeur général des douanes, lève tout équivoque quant à la responsabilité de l'administration douanière dans le renchérissement, autant pour moi, des coûts du manuel et du livre scolaire. Minette Libom, Lily Keng est dans la rubrique Focus. En zooming, les logiques qui sous-tendent les derniers mouvements à la CRTV, une signature de Evelyne Owona et Sumba. Nous retrouverons Aurélie Cressence Bida vers la fin de cette édition de Scène de presse pour les unes du lundi. Et avec nous ce soir pour le débat, Monsieur Ferdinand Nana Payan, qui est spécialiste en communication et marketing. Bonsoir. Bonsoir, Madame Demodou Djemba. Marcelin Vunda et toi, qui est enseignant et directeur des éditions Clé. Bonsoir. Bonsoir, Madame Demodou Djemba. Parfait. Siki, journaliste et secrétaire, directeur de rédaction, autant pour moi, directeur de rédaction au Quotidien de l'économie. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Lucrèce. Et puis, tout à côté de moi, Elvis Bimba, qui est le tout nouveau rédacteur en chef délégué chargé d'Internet à la CRTV Télé. Bonsoir, Elvis. Bonsoir, Lucrèce. Et dans la deuxième partie de cette édition, nous retrouverons Jean-Baptiste Bamama, qui est directeur de publication du journal Tourisme Magazine, et chef Émile Ngoulou-Ngoulou, hôtelier et restaurateur. Madame, Monsieur, vous pouvez participer ou réagir sur nos différents comptes, notamment Twitter et Facebook. Vous pouvez participer au débat par SMS en envoyant le mot « presse » suivi de votre réaction au 81-37. Et maintenant, place nette à la première une de Scène de presse, les mauvais points du livre scolaire au Cameroun. Alors, parfait, c'est qui? La rentrée, c'est ce lundi, la rentrée scolaire 2015-2016, c'est ce lundi. Avez-vous pourvu à l'essentiel? Oui, cela n'a pas été facile, mais j'ai dû le faire parce qu'il faut le faire, nous avons l'obligation de le faire. Donc, ce n'est pas comme si on avait le choix, nous devons pourvoir à cela. Et c'est demain que ça commence, ce n'est même pas très loin, c'est demain matin que les enfants vont retourner à l'école, mais je crois qu'on aura l'occasion au cours de cette émission de montrer comment c'est difficile aujourd'hui, c'est difficile. Je regarde seulement la simple comptabilité de la toute dernière qui va à la CIL, elle aura 11 livres. Nous y reviendrons. Nous y reviendrons. C'est tout dire, Elvis Bimba. Une fois encore, les parents ont mis sur la table le problème du changement quasi annuel des livres au programme des livres et des manuels scolaires. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Moi, j'ai l'impression qu'on ajoute, on enrichit chaque jour la liste. J'ai l'impression que ceux qui s'occupent de ce domaine ne prennent plus le risque de choisir. Il laisse le choix aux établissements scolaires et chaque année, il y a 5, 6 livres qui sont au choix. Donc, chaque année, on ajoute des livres. On est passé de 3 à 4, puis à 5. Parce qu'il y a beaucoup de pression autour de la confection de la liste.
et ceux qui doivent choisir refusent de choisir. Marcelin Vunda, selon l'article 13, alinéa 1 de l'arrêté du Premier ministre relatif à l'organisation du Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques, tout livre est inscrit au programme pour une durée de 3 ans. Est-ce que c'est encore respecté aujourd'hui? Écoutez, lorsque le ministère inscrit un livre sur les programmes pour une durée de 3 ans, les chefs d'établissement qui doivent choisir parmi les 6 ou 7 livres qui sont prescrits par le ministère n'ont aucune obligation de respecter ces délais-là. C'est l'un des problèmes. Parce qu'un chef d'établissement qui arrive nouvellement dans un établissement n'est pas lié par les listes confectionnées par son prédécesseur. Donc, en réalité, le cœur du problème, c'est le nombre un peu trop important de livres qui sont prescrits par matière. Voilà, il me semble, d'où viennent tous les autres problèmes liés aux livres scolaires. Même la question de la qualité est liée à ce nombre-là. La commission qui agrée les ouvrages a un temps précis pour travailler sur un nombre de plus en plus important de livres. Donc, en trop embrassant, ils étreignent mal. Ils n'ont pas la possibilité de lire et d'aller ligne après ligne, ce qui devrait être le cas, tous les livres qui leur sont soumis. Donc, du coup, ils choisissent le chemin peut-être de la facilité. Ça devient extrêmement poreux. Ne pouvant pas, sur la base de critères pertinents, disqualifier certains livres, on en agrée un peu plus qu'il en faut. Et maintenant, quand la liste des 6 livres du ministère est publiée, les conseils d'établissement qui doivent retenir un des 6 ouvrages n'ont pas les moyens d'avoir tous les ouvrages en lecture par les enseignants. Personne n'achète. Ce n'est pas le proviseur qui va acheter les 6 livres prescrits. Parce qu'il faut choisir. Et l'éditeur non plus ne. Non, l'éditeur, lui, il fait sa proposition. Si elle est retenue, c'est aux autres de choisir, puisqu'ils disent qu'il faut choisir. Quand vous avez une liste de 6 et que vous n'avez pas les 6 livres, vous choisissez sur quelle base? C'est ce qui se passe dans les établissements. Nous y reviendrons. J'accueille également M. Nana Payon. Alors, à qui la faute? Au chef, au conseil d'établissement qui change d'ouvrage chaque année, ou alors à la commission d'agrément qui propose 6 à 7 livres pour la même matière? Je dois vous répondre franchement, n'est-ce pas? Bien entendu. Eh bien, ce n'est ni à l'un ni à l'autre. Moi, je pense que la responsabilité est au ministère de l'Éducation, les deux ministères, enseignement secondaire et enseignement de base, parce que le comité que vous avez, dont vous avez fort opportunément indiqué l'une des dispositions, n'a pas de pouvoir en réalité. Elle n'est que là pour conseiller les ministres. Donc, quand elle a arrêté son travail, comme disait le professeur Wunder et toi, elle remet son travail au ministre et c'est le ministre maintenant qui valide la liste des livres. Est-ce qu'on peut croire que ce conseil est exempt de tout? Pas du tout, naturellement, pas du tout. Mais je veux dire que si on commence à hiérarchiser les responsabilités, celui qui peut faire en sorte que les choses reviennent dans l'ordre, c'est le ministère qui doit demander qu'on ne puisse pas excéder 3 livres. Déjà, c'était 3 livres. Sur l'arrêté, sauf si ça a changé, c'est 3 livres. D'où vient-il donc qu'il y en ait plus? Je ne pense pas que le comité d'agrément se permette de mettre plus. Ce sont les pressions qui viennent juste après, parce que chaque éditeur, il y a un éditeur ici sur le plateau, peut-être qui n'est pas, il n'a pas ce genre de pratique. Tout éditeur rencontre les membres de ce comité. Tout éditeur vient marchander, même de manière, j'allais dire, objective, pour en sorte que son livre soit au programme. Mais quand le livre est au programme, parce qu'il a pu passer toutes les étapes de l'examen, eh bien, ça arrive sur la table du ministre. Ça arrive sur la table du ministre. Normalement, je pense que c'est 5 mois avant la prochaine rentrée scolaire. On n'a pas dit que le ministre valide cette liste 5 mois avant. Donc, ça arrive sur la table du ministre. Il y a d'autres pressions qui arrivent. Et on ajoute un, on ajoute deux. C'est pour ça qu'on se retrouve avec 6 livres. Je pense que nos responsables devraient, de temps en temps, s'inspirer de ce que leurs collègues font à côté. Alors, vous semblez jeter l'opprobre seulement sur les différents ministères en charge de ce secteur-là, mais les chefs d'établissement qui, de façon, j'ai envie de dire, de façon souveraine,
qui décide que cette année, j'utilise, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi, les champions, je ne sais pas quoi, et puis l'année d'après, j'utilise les majors, ainsi de suite. Est-ce que le ministre de le ministre des enseignements secondaires ou le ministre de l'éducation de base est derrière ce chef d'établissement-là pour lui demander de programmer tel ou tel livre? Non, mais il doit lui le remettre, ramener à l'ordre. Si vous, pendant la semaine là, de la rentrée, elle commence demain, si vous allez mettre une caméra cachée, vous allez voir que beaucoup de délégués, représentants des maisons d'édition, viennent rencontrer les chefs d'établissement. Un peu comme à l'hôpital, vous voyez des délégués médicaux, mais ils n'ont pas les mêmes arguments dans la mallette. J'exagère peut-être un peu, mais c'est exactement ce qui se passe. Alors, mais qui est le patron du chef d'établissement? C'est le ministre. Si le ministre demande qu'on arrête ce cirque, on va l'arrêter. Si le ministre demande, s'il y a un communiqué qui est affiché où on demande aux parents d'élèves, enfin aux différents chefs de département de dénoncer ce qui se passe même de manière anonyme, il y a de grandes chances pour qu'on n'en arrive pas là. Mais vous parlez de garde-fou alors? Il faut des garde-fous et le responsable qui doit y mettre. Bon, il y a la responsabilité de chacun, mais celui qui est responsable, c'est le ministre. Alors, parfait, c'est qu'il y a 3, 4, 5 livres au programme pour une seule matière. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et même un enfant, vous parlez tantôt d'un enfant qui va à la SIL et qui se retrouve avec 11 livres. Mon Dieu, est-ce que cet enfant peut véritablement porter son cartable tous les jours? Est-ce qu'il peut s'en sortir? Est-ce qu'il peut lire tous ces 6 livres, tous ces 6 manuels, ces 11 manuels? C'est ça la question. Je me demande comment il va se débrouiller cette année pour porter les 11 livres. Parce qu'on parle là des enfants qui vont à la SIL à 5 ans, parfois à 4 ans. Et il faut se poser la question, comment est-ce qu'elle va se débrouiller pour cela? Mais je pense que le problème, c'est vraiment ce marchandage, cette démarche commerciale essentiellement capitaliste qui est en train de tuer le livre scolaire. Parce que tout le reste, que ce soit la responsabilité du ministre, de cette fameuse commission qui doit choisir, etc., tout ne se passe comme ça que parce qu'il y a de gros sous qui se partagent dans le livre scolaire. Les gros sous pour choisir les livres, les gros sous pour décider du nombre de livres, les gros sous maintenant au niveau même des prix de vente de ces livres. Mais je veux bien qu'il y ait 6 propositions. Mais si on a le choix que pour un seul livre parmi les 6, tant mieux, mais j'achète ce livre au bon prix. Mais et regardez les prix des livres. Mais il y a un livre pour vous coûter 15 000 francs. On parle là d'une société où le niveau de vie reste relativement bas pour la plupart des Camerounais. Alors, nous allons revenir sur la question du coût des livres tout à l'heure, Marcelin. Qu'en est-il de la qualité des contenus? Parce que le tout, ce n'est pas d'avoir 10 livres au programme ou d'en mettre 5 ou 6 chaque année. Il faut également questionner la qualité des contenus de ces livres qui sont au programme. Qu'est-ce que vous avez pu observer à ce niveau-là? Mais ce qu'on observe, je voudrais déjà faire une distinction entre livre et livre. Il y a un peu, d'un côté, les manuels scolaires et d'un autre, des œuvres de fiction qui sont proposées dans les programmes. Et c'est dans cette deuxième catégorie qu'il y a le problème? Dans les deux. Dans les deux. Il n'y a aucune bonne raison qu'on ait 6 livres au choix. Parce que les manuels scolaires, ce que les anglophones appellent textbook, c'est des livres qui correspondent à un programme d'enseignement pour un niveau d'études précis. Donc, pour la SIL, si c'est le livre de mathématiques, il y a un programme qui est le même, qui doit être couvert par tous les ouvrages. Vous avez donc 6 ouvrages dont ne change que le nom de l'auteur, le nom de l'éditeur, le contenu étant exactement ou plus ou moins exactement le même. Quelle est la raison d'en avoir 6? Dans certains pays, dans des grands pays, on en a un seul. Le Vietnam, les Philippines, l'Inde. Moi, j'ai assisté à un séminaire, à une rencontre avec des responsables de la Banque mondiale où on disait... Ces grands pays-là, ils ont un livre au programme. Et l'avantage d'avoir un livre au programme, c'est qu'il y a une économie d'échelle sur le coût du livre. Parce qu'en édition, si vous avez 10 livres que vous imprimez, ils vous coûtent beaucoup plus cher que si vous en imprimez 1000 ou 10 000. Donc, si avant d'y arriver, parlons-nous d'abord, parlez-nous d'abord, s'il vous plaît, du contenu. Okay. De ces ouvrages-là. Qu'est-ce que vous avez observé? Parce que je sais que vous avez commis une tribune cette semaine. La première chose qu'il faut observer au sujet du contenu du livre, c'est que
il y a des éditeurs amateurs qui s'imposent dans le domaine du livre scolaire. Il y a des auteurs sans galon qui n'ont rien publié avant, dont on découvre les livres dans les salles de classe. Ils ne sont ni en librairie, ni en bibliothèque, nulle part. Ça ne peut pas être des livres de qualité. Sauf si on a affaire à une génération d'auteurs surdoués qui ne produisent que pour les programmes scolaires. Alors, j'ai parcouru la tribune que vous avez commise cette semaine. Alors, on retrouve dans certains ouvrages des fautes. J'en ai pris quelques-unes. On parle d'une fuite à tue-tête, étancher son envie de manger, se suicider à la harakiri. Et ça, c'est un livre qui est au programme de classe de sixième. Un livre de français. Et ça, c'est un livre pris entre plusieurs autres. L'autre chose qu'on observe, qui joue sur la qualité des livres, c'est que de plus en plus, on veut étendre le marché. Un auteur écrit en anglais, il fait traduire. Une traduction qui n'est agréée ni validée par personne. La traduction est imposée au programme. Il y a un livre qui est traduit de l'anglais vers le français qui est inscrit au programme de français de classe de 5e. Moi, j'ai lu ce livre, j'ai parcouru ce livre-là. Ce n'est pas la langue française de bout en bout dans cet ouvrage-là. Mais comment ces ouvrages arrivent-ils dans les salles de classe? J'imagine bien qu'avant qu'un ouvrage n'entre ou ne soit inscrit au programme, l'auteur doit quand même avoir fait ses classes. Absolument. Dans tous les pays du monde, le livre ne part pas de l'imprimerie pour la salle de classe. L'inscription dans les programmes scolaires est le plus haut niveau de consécration de la qualité d'un écrivain et du contenu de ses œuvres. C'est comme ça que ça se passe partout ailleurs. Donc, c'est essentiellement des classiques qui sont inscrits au programme parce que à partir de ce qui est écrit, on peut s'en servir comme modèle pour apprendre la langue. Parce que le but, c'est ça. On ne lit pas pour lire, pour découvrir une histoire, mais pour apprendre les structures, pour ce qui est de la langue française, les structures de la langue. Mais et c'est ce que nous avons vécu, nous. Voilà, quand on lisait L'Aventure ambiguë, voilà, quand on lisait Cahier d'un retour au pays natal, Ville cruelle, ces livres n'étaient pas entrés le lendemain du jour où vous avez été publiés. Et je pense que je ne sais pas comment ils entrent, mais je sais comment faire pour prévenir l'entrée de mauvais livres. Il suffit d'inscrire dans les programmes exclusivement les classiques. Des livres qui ont fait leur classe, qui ont été reçus par la critique, qui ont été reçus par les institutions spécialisées. À ce moment-là, on est sûr de la qualité de ces livres-là. Alors, quel est le rôle que l'éditeur peut jouer dans cette pratique-là, dans ces mauvaises pratiques? Est-ce qu'il y a... N'attendez rien de l'éditeur. Je crois qu'il connaît assez bien le milieu. Est-ce qu'il y a des mauvaises pratiques auxquelles les éditeurs ont recours depuis un certain temps au Cameroun? Moi, je connais Marcelin Vounda et toi. Je connais beaucoup d'éditeurs. Mais je ne suis pas sûr qu'ils appartiennent à la même sphère intellectuelle. Je connais même des syndicalistes que j'ai entendu sur les médias, mais dont un certain nombre participe même. Vous évoquiez tout à l'heure la piraterie. Un certain nombre participe au genre de livres qu'il vient d'évoquer. On ne peut pas devenir éditeur simplement parce qu'on a des moyens pour mettre dans le livre. Si on a des moyens, on peut continuer de faire de la quincaillerie. Je ne vise pas un éditeur particulièrement. Mais ceux qui sont dans le domaine savent très bien qu'on ne peut pas se permettre de livrer la vie de nos enfants entre les mains de gens qui, parce qu'ils ont des moyens financiers, peuvent arroser tout le monde. Parce qu'un enseignant qui se respecte, je veux dire un professeur, qui, parce qu'on lui a imposé un livre, peut opposer une clause de conscience. Mais, alors... Si on va voir ce professeur et qu'on parle bien... Le voir entre guillemets. Le voir entre guillemets, comme dans notre pays. Donc je pense que l'État a ses responsabilités, mais nous-mêmes, nous devons être gênés, nous devons avoir honte. Moi, j'ai pratiqué pendant une quinzaine d'années, tous les jours, la vente du livre. Je me suis retiré. Je me suis retiré parce que les pratiques n'étaient pas des pratiques. Et pourtant, je gagnais bien ma vie là-dedans. Hein, mais les pratiques étaient telles qu'on ne peut pas se regarder dans la glace et être fier d'avoir gagné de l'argent parce qu'on a mis, pardonnez-moi, un torchon sur le marché. Parce qu'un enfant, un enseignant m'a raconté, un chef d'établissement privé
me disait que l'année dernière, il y a un jeune qui a postulé pour être professeur de français dans son établissement. Il a mis son nom sur la demande et profession professeur, avec deux F et deux S. Alors le pauvre, il est convaincu que c'est comme ça qu'on écrit. Et quand il va donc écrire cela à la centaine d'élèves qu'il enseigne, il y a très peu qui lui diront je crois que vous avez ajouté un F de plus. Donc, c'est le résultat de ce que, à partir du moment où on a été agréable avec quelqu'un qui a la décision, il se moque de ce qui va se passer. Et résultat des courses, on va trouver des jeunes qui sont des hackers. Alors, nous allons marquer le premier arrêt de cette édition, dans cette édition de Scène de presse. Nous parlions tantôt du coût du livre et on en a entendu des vertes et des pas mûres à propos des causes du renchérissement du coût des manuels scolaires. Alors, nous nous sommes proposés d'aller à la rencontre du directeur général des douanes, Madame Minette Libom-Lilikeng, et dans le focus de la semaine, et elle lève toute équipe quant à la responsabilité de l'administration douanière dans le renchérissement des coûts, des prix des manuels scolaires. Nous écoutons. Je suis aussi parent, donc je subis ces mêmes coûts élevés. Une réalité, c'est que la vie devient de plus en plus chère. Mais pour ce qui est de dire que le livre scolaire a un prix élevé à cause de la douane, je dis que cela n'est pas vrai. Cela n'est pas vrai parce que la réglementation au niveau du Cameroun, c'est la réglementation communautaire. La douane camerounaise applique un code des douanes communautaire, un tarif des douanes communautaire. Et les marchandises, quand elles sont importées, ont une classification. Le chapitre 49 et la position qu'occupe le livre scolaire a comme tarif extérieur commun zéro, TVA zéro à l'importation. Ce qui signifie que les déclarations d'importation de livres scolaires sont admises en franchise. Parce que vous voyez, le cas des exonérations, ça peut être à titre exceptionnel, parce qu'on va accorder à X et à Y, tandis que là, c'est une franchise réglementaire. Je ne comprends pas moi aussi quand j'entends ces accusations. Et je me suis peut-être dit, est-ce que de plus en plus les gens confondent toutes les charges qu'on paye au niveau du passage d'une place portuaire ou aéroportuaire en disant j'ai dédouané? Si c'est ça, c'est vraiment par ignorance. La réalité est qu'il y a des taxes de service qu'on paye à toutes les structures installées dans une place portuaire pour manipuler un conteneur, son stationnement, celui-même qui vous fait la déclaration en douane, qu'on appelle le commissionnaire en douane agréé, il le fait, c'est des HAD, c'est une série de petits éléments, mais ce sont les taxes de service. Le Cameroun n'a plus besoin, en tant que pays, d'adhérer à la Convention de Florence, parce que les pères de la CEMAC, depuis 1994, ont intégré les dispositions de la Convention de Florence dans le code des douanes, dans le tarif des douanes. C'est vrai, il n'y a pas que les commerçants. J'ai souvent suivi dans certaines réunions interministérielles, entre autres, mais je crois que le ministre des Finances a eu à apporter ces éléments d'éclairage à son homologue en charge de l'éducation, qui effectivement devait prêter une oreille à ceux-là qui croyaient qu'il faut à tout prix adhérer à la Convention de Florence. En tout cas, aux détails de statut diplomatique et autres, si on revient aux livres scolaires, aux dictionnaires, tout ce qui est production, les dispositions sont déjà intégrées et ils sont admis en franchise. La douane a mis en place le forum douane-entreprise.
je voudrais plutôt inviter ces éditeurs, ces importateurs de livres, de se rapprocher de nous. Si véritablement ils rencontrent des difficultés, qu'on aille identifier quel est le problème. Parce que véritablement, déjà que nous avons un système informatique automatisé, ça veut dire que je ne peux pas, mes collaborateurs ne peuvent pas se permettre de faire une déclaration à la tête du client. Vous importez votre conteneur et c'est vous-même qui faites la déclaration en douane que j'ai importé des livres. Dès que vous introduisez, vous codifiez, puisque les livres ont une position tarifaire, système harmonisé qui est international, dès que vous l'introduisez, le système sidonien vous crache la déclaration. Et il n'y a pas, au niveau du tarif extérieur commun, il n'y a rien. Au niveau de la TVA à l'importation, il n'y a rien. Ceux qui ont passé leur commande, vous savez que le port est engorgé en ce moment. Vous allez vous retrouver en difficulté. Pour une marchandise qui ne paye pas les droits de douane, vous vous retrouverez en train de payer les stationnements et surestarises. Et là, ce n'est pas la douane. C'est parce que vous avez abandonné votre conteneur au port. Il supporte des charges. Parce que vous avez pas vite trouver un camion pour vous livrer. Il y a des charges intermédiaires là qui sont les droits de passage. Et là, c'est un autre débat. Et jusqu'à présent, je n'ai entendu personne. C'est pour ça que je crois quand même qu'il y a un peu de malhonnêteté. C'est trop facile de dire la douane, puisque pendant longtemps, les gens se sont habitués à accuser la douane de tous les maux. J'aimerais bien les entendre se plaindre, puisqu'en réalité, l'engorgement du port de Douala entraîne des coûts supplémentaires, des charges au niveau du panier de la ménagère. Aujourd'hui, ce sont les parents qui se plaignent. Les autres aussi en souffrent. Mais je voudrais dire, je ne sais pas que je voudrais qu'il y ait des grèves ou quelque chose dans un autre secteur, mais je voudrais dire que c'est véritablement malhonnête là. Surtout que nous apportons l'information et on semble ne pas la prendre en considération. Voilà donc qui a le mérite d'être assez clair, Monsieur Nana Payon. Vous avez souvent eu à importer des livres, à faire venir des livres au Cameroun. Est-ce que vous avez eu un moment au niveau de la douane? Est-ce qu'on vous a un jour demandé de payer quoi que ce soit? Non, pas du tout. Il faut que les gens soient sérieux. C'est tout ce qu'on disait ici. Quand des gens qui ont beaucoup de talent en matière de commerce se lancent dans le livre, il faut qu'ils sachent reconnaître que ils sont en train de chercher de l'argent et donc ils cherchent des boucs émissaires. Moi, en 20 ans, on ne m'a jamais demandé de payer ni de droits de douane, ni de taxes à la douane. Évidemment, il y a des services qu'il faut payer. Je me souviens même à une année, on avait à la rentrée scolaire des difficultés parce que la plupart des livres venaient de l'étranger. Et cette année-là, lorsque je faisais la bourse du livre, j'étais sponsorisé par la Cameroun Airlines. Il y a eu, à l'époque, le directeur commercial de cette entreprise s'appelait lui Paul Motazé. Il y a eu un soutien d'une entreprise citoyenne qui a permis que nous puissions faire venir des livres et vraiment, et un groupement hein, de plusieurs libraires ont importé et il n'y a pas un seul à qui on a demandé de payer un franc. Les gens qui disent ça sont ceux qui veulent faire monter les prix, ils veulent créer la surenchère. Si, comme disait tout à l'heure Marcelin Mouda et toi, s'ils ont été agréés depuis 3 ans, qu'est-ce qui peut expliquer pour des raisons économiques, en termes d'économie d'échelle, je préfère tirer 100 000 livres, parce que je sais que j'ai 3 ans pour les écouler, que d'en tirer 20 000 tous les ans. Ça veut dire que c'est des amateurs qui chaque fois tirent un peu de livres et à la rentrée scolaire récoltent un peu d'argent pour aller encore tirer un peu de livres, alors qu'ils peuvent très bien, en 3 ans, tirer une quantité importante qui va se retrouver dans le prix. C'est-à-dire que les parents d'élèves vont aussi en profiter. Mais je souscris à ce que cette dame a dit. Franchement, c'est faux et ce n'est pas correct. Alors, il y a aussi la question de la disponibilité même de ces manuels scolaires, Elvis Mimba. Les parents se plaignent parfois de ne pas pouvoir, malgré leur bonne volonté, malgré les moyens dont ils disposent, parfois les moyens financiers, de ne pas pouvoir acheter ces livres, de ne pas pouvoir les trouver. Parce qu'on les a mis au programme, mais on ne les trouve pas dans les rayons des différentes librairies. La conséquence de ce que M. Nana Payon vient de dire, c'est-à-dire que si c'est un ouvrage dont l'éditeur n'a pas pris toutes les dispositions
bien longtemps à l'avance, on va se retrouver dans une situation où le lait va arriver un peu tard ou profiter des situations d'engorgement qu'on vit en ce moment. Et ce livre ne sera pas sur le marché parce qu'il n'est pas arrivé et parce qu'on n'a pas pris les dispositions à temps. Justement, je vous l'ai dit depuis que je suis le débat, que la grande question, et c'est celle d'ailleurs que Marcelin a posée dans sa tribune cette semaine, c'est la question de la marchandisation du livre scolaire. Il faut peut-être revenir globalement, et c'est pour ça que lorsqu'on faisait une échelle de responsabilité tout à l'heure, on disait que le plus grand responsable de cette situation, c'est celui qui définit la politique nationale du livre scolaire, qui doit ramener le livre là où il devait être, c'est-à-dire un objet éducatif, un objet important pour le système scolaire, déterminant même pour le système scolaire, parce que l'absence du livre peut complètement anéantir les possibilités de réussite d'un élève. Oui, moi je suis surpris. Pourquoi vient-on parler d'argent dans l'éducation, quand il s'agit de construire la fondation d'une nation? Pourquoi l'argent prend la place qu'il prend aujourd'hui dans cette affaire? C'est incroyable. On peut parler du livre, on peut également parler de la scolarité, etc. Pourquoi on doit faire commerce de ces questions-là? On ne s'amuse pas comme ça avec la vie d'une nation. Je veux dire qu'on est dans un pays, nous savons tous quel est le niveau de revenus des populations, mais vous ne pouvez pas raisonnablement préparer une bonne année scolaire en dessous d'un certain montant, c'est-à-dire des montants qui ne sont pas à la portée de la plupart des Camerounais. Donc on est en train de construire l'inégalité à partir du coût du livre, à partir du coût de l'éducation, on construit l'inégalité. On ne va voir ça que plus tard, alors qu'on est là dans les fondements. Donc on doit absolument revoir cette façon de fonctionner qui est proprement mauvaise, que ce soit sur le livre, mais même sur la scolarité. Alors, il faut revoir ça. Parfait, pour revenir au livre, on peut dire, on observe que généralement, à quelques semaines de la rentrée, les établissements secondaires, les établissements clandestins, de façon générale, sont fermés. On peut dire, pour ces établissements clandestins, passe encore pour la formation ou les formateurs plus ou moins bien formés, passent encore. Mais si on ne peut pas se fier au manuel scolaire, au livre qui est mis au programme pour la formation des enfants, à ce moment-là, il y a véritablement problème. Parce que si l'enfant n'a pas un bon enseignant, l'enfant peut au moins, devrait au moins se fier au livre qu'il a au programme. En fait, tout ce que vous avez dit là indique bien qu'il s'agit simplement d'un cancer avec des effets métastases, comme disent les médecins. C'est-à-dire qu'il y a un problème, il y a une pourriture qui est là, et puis on ne touche que certains aspects périphériques. On parle du livre ici, mais on peut également parler des enseignements qui sont donnés, on peut parler du contenu même de ces livres, on peut parler de la qualité des infrastructures qui accueillent les enfants. On peut même parler du transport des enfants de la maison vers l'école. Il faut voir l'état des taxis et l'absence du transport public. On peut parler d'un ensemble, c'est une chaîne. Et quand vous regardez bien la chaîne, vous voyez que, en fait, tout le système là, il est mité, il est miné. Et il faut une solution d'ensemble pour qu'on examine bien. Qu'on sache, qu'on réponde à la question. Un jour, le président Biya avait demandé quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants. Il faut poser la question, quelle éducation nous voulons pour nos enfants. Alors, Marcelin, vous n'avez pas pour revenir au livre. Alors, l'enseignant que vous êtes, parlant toujours de la multiplication des ouvrages au programme, j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus. Lorsque correcteur, autant pour moi, il a face à lui une copie d'un élève, vous en avez parlé. Mmh. Alors, lui, il n'a pas lu l'ouvrage au programme, justement, parce qu'il en a eu trop, il n'a pas peut-être pu tous les lire. Alors, l'enfant, le candidat, dans sa rédaction, illustre son texte par des citations. Alors, comment l'enseignant corrige cette copie-là? Comment elle est sûre que l'enfant cite
comme cela se doit. Comment il corrige cette copie alors qu'il n'a lui-même il n'a pas lu ce texte-là. À ce moment-là, qui paye? Écoutez, avec votre permission, je voudrais dire un mot sur la question du prix du livre lié à l'importation et à la douane. Lorsqu'on imprime les livres à l'étranger, tous les éditeurs le savent, on imprime à des prix qui sont parfois 4 fois, 5 fois, 6 fois inférieurs au coût de production moyen. Donc, transport et toutes les charges de service compris, le livre est toujours beaucoup moins cher que si on l'avait fait localement. Donc, vraiment, dire que les livres importés du fait de la douane coûtent plus cher, c'est de la tricherie, c'est de la supercherie. Voilà ce que je voulais dire sur cette question-là. Moi, j'ai fait imprimer des livres en Inde. Ces livres-là me sont revenus à 4-5 fois moins cher, transport compris, tous les petits services de douane faits. Je parle d'expérience. Maintenant, pour ce qui est... On revient à la seule vraie question. Pourquoi avons-nous autant de livres au programme? Vous avez pris un exemple. Vous avez dans le programme de lecture suivi de classe de 3e, 5 livres d'auteurs différents au programme. Nous avons un système d'évaluation standardisé. C'est-à-dire que le BPC qu'on fait à Maroua, on le fait à Yokadouma, on le fait sur tout le territoire camerounais. Vous avez des enseignants qui n'ont pas accès à tous les 5 livres. On tire un sujet de l'un des 5 livres. Le prof qui corrige la copie n'a pas lu le livre. Pas forcément. Il n'a pas forcément lu le livre parce qu'aucun prof ne prend le soin d'investir de l'argent pour lire les 5 livres qui sont prescrits par le ministère. Il lira tout au plus un livre en celui plus de celui de son établissement. Il se retrouve donc avec la copie d'un élève qui a lu une autre œuvre, puisqu'on échange les copies, qui a lu une autre œuvre et qui illustre sa dissertation ou sa rédaction avec des exemples tirés d'une œuvre que le prof n'a pas lue. L'évaluation est biaisée. Donc, tout le problème du livre scolaire au Cameroun, c'est le nombre de livres qu'on prescrit. Mais il n'y a pas que l'évaluation. Comment justement choisir une épreuve sur la base d'un seul ouvrage alors qu'il y en a 6 au programme. Dans le libellé du sujet, est-ce que ce ne serait pas plus facile si tous les élèves lisaient exactement les mêmes ouvrages et partiraient avec les mêmes chances? Non, dans le sujet, on dit d'illustrer la dissertation ou la rédaction par une œuvre de son choix, inscrite peut-être dans les programmes. Oui. Voilà, donc l'élève a le choix entre les 5. Mais le problème, c'est le prof. Oui. Qui peut n'avoir pas lu la même œuvre que l'élève? C'est à ce niveau que se pose le problème. Mais ce serait justement plus facile si tout le monde avait lu les mêmes œuvres, si tout le monde partait sur, j'ai envie de dire, avait les mêmes chances. Tout naturellement. C'est pour ça qu'on appelle au retour des classiques. Alors vous pensez... Et la réduction du nombre de livres inscrits dans les programmes. Nous avons un pays voisin dont j'ai un peu d'expérience depuis quelques années, par le truchement d'un éditeur français, Congo, RDC. Quand vous allez à Goma, vous faites des milliers de kilomètres. Ils ont maximum 2 livres au programme. 2 livres dans chaque matière. Et il y a une commission qui lance un appel d'offres. Vous êtes évalué d'abord sur le contenu et après sur votre offre financière et économique, combien va coûter le livre. Et dès que votre livre est agréé, vous faites le tour des 10 provinces, ils ont 10 régions comme nous, et vous allez rencontrer, et ceux qui décident du livre, c'est l'inspecteur pédagogique chargé de la région. Et donc, par exemple, si c'était le cas au Cameroun, on aurait 2 livres, il y a un qui serait donc à Yaoundé, par exemple, l'inspecteur chargé de la région de Yaoundé, avec son comité, déciderait que, bon, en français, voilà le livre que nous allons utiliser. En mathématiques, voilà, ça va faciliter les choses. Si on prend l'exemple de votre pertinente question, comment est-ce qu'on fait pour évaluer les élèves alors qu'il y a 5 ou 6 livres qui peuvent faire l'objet de l'examen, et là, il n'y en aurait que 2. L'avantage d'en avoir plus d'un, c'était au départ, me semble-t-il, si j'ai bonne mémoire, pour éliminer ce genre d'arrangement qu'il pouvait y avoir. On a donc prévu 2, en plus maintenant, on est déjà à 6 ou à 7. Et quand vous avez donc, parce que vous avez parlé de l'indisponibilité du livre tout à l'heure, j'ai entendu parfois ici qui parlait de marchandisation. Eh bien, quelqu'un qui a investi de l'argent et qui est ému par le goût de rentabiliser cet argent,
va diffuser ses livres à Douala et à Yaoundé. Vous n'allez pas le voir à Kolofata, encore moins en ce moment. Vous n'allez pas le voir à Molundu parce qu'il se trouve que la rentrée scolaire, c'est la saison des pluies. Et donc, ils vont se concentrer à Yaoundé et à Douala. Or, si dans les 10 régions données à chaque éditeur, on disait, voilà, vous, vous avez la région de l'Ouest, le gars se concentrerait, il se recentrerait, toutes ses activités seraient à la région de l'Ouest. Et si jamais, parce que cette commission est chargée d'évaluer la disponibilité et l'accessibilité du livre, si jamais on se plaignait de ce qu'il n'y a pas de livre de mathématiques à l'Ouest, tout de suite, on saurait de qui il s'agit. Donc, malheureusement, cette histoire est traitée pour... À votre avis, faut-il renforcer les pouvoirs de la commission d'agrément? Je pense qu'il faut qu'elle ait un peu plus de pouvoir, parce qu'elle ne peut pas venir contrôler dans une librairie ou sur un point de vente. Elle n'a pas ce pouvoir. Et ça me rappelle un peu l'ONEL, hein, par rapport à ELECAM. Elle peut dire oui, ils n'ont pas... Et puis, Madame Medou Djemba, regardez quand, l'éditeur est mieux placé que moi pour expliquer, quand vous venez proposer votre livre au programme, aujourd'hui vous avez la possibilité de faire un livre en numérique dont la qualité est extraordinaire. Mais le comité qui vous a agréé ce livre-là ne vient plus à la fin, lorsque vous avez importé les manuels, vérifiez si ça correspond tout à fait à ce que vous avez déclaré, parce que ben, la qualité que vous avez proposée en numérique est tellement bonne que si on regarde les livres, on va se rendre compte que les témoins, les maquettes témoins qu'ils ont données ne sont pas tout à fait ressemblants. En conséquence, un parent peut se retrouver en train d'acheter le même livre deux fois au courant de l'année. Et ben, très souvent, surtout au primaire, beaucoup de parents disent qu'ils achètent deux ou trois fois. Mais moi, j'ai une question. J'ai remarqué, par exemple, dans certains livres, une uniformité de prix. Et je suis un peu surpris, par exemple, qu'au CE1, on ait des livres de français qui aient à peu près le même prix, 2500, 2600, 2000. Alors, est-ce que c'est la commission qui impose le prix? Ça, c'est le ministère du commerce qui se mêle de l'affaire et qui essaie de réguler. Alors que le problème simple... En fait, la question est vraiment simple. Si vous mettez 6 livres au choix, vous divisez le marché en 6, parce que c'est 6 éditeurs différents. Si vous ramenez à 2, vous avez 2 grands opérateurs sur le marché. À ce moment-là, les quantités qu'ils produisent induisent des abaissements du prix de vente du livre. Donc, la brigade de prix du ministère du Commerce, qui vient réguler les 50 francs, les 100 francs sur les prix du livre, n'aurait plus rien à faire du tout. Si on ramenait à 2 ouvrages, on gagnerait parfois jusqu'à 50% du prix de vente du livre actuel. Parce que les 2 éditeurs qui seraient chargés de faire le livre de mathématiques ou d'anglais pour la CIL auraient chacun la moitié d'un marché qui, en ce moment, est divisé en 6. Merci, messieurs. Nous allons marquer un deuxième arrêt dans cette édition de Scène de presse. Et nous allons parler des derniers mouvements qu'il y a eu à la CRTV. Quelles sont les logiques qui ont soutenu ces derniers mouvements? Un nouvel organigramme, de nouveaux hommes dans les différentes, dans de nouvelles directions, dans de nouvelles sous-directions. Alors, autant pour moi, Evelyne Owonae-Somba a relu le texte pour nous et elle nous donne des explications dans le zooming de la semaine. Un tsunami, c'est ainsi que beaucoup ont vécu à l'intérieur et en dehors de la CRTV les dernières nominations intervenues à la Cameroon Radio Television. Le 2 septembre dernier, ce n'était pas seulement un changement d'homme, c'est toute l'hyperstructure CRTV qui a été révisée au terme de la 34e session du conseil d'administration. Il faut remonter à une décennie au moins pour retrouver pareil chamboulement. Ces mouvements correspondent à un moment significatif de l'histoire de la CRTV. Il s'imposait donc à nous d'organiser notre adaptation, s'approprier les outils technologiques, donner une réponse à la compétition qui sera plus importante que par le passé. Parce que comme vous le savez, il y aura au moins une trentaine de chaînes local, se donner les moyens de mieux remplir notre rôle de média de service public.
Une séparation plus marquée entre la radio, la télévision et la diffusion, constituée désormais en direction centrale, une direction des ressources humaines remise à jour pour gérer les quelques 2000 employés, une division de la communication pour polir une image de la CIRTV trop souvent injustement écornée. Mais la principale nouveauté vient de l'antenne télé qui éclate en 6 chaînes, une chaîne généraliste et 5 chaînes spécialisées, autant dire un vrai challenge. Sur 6, nous en avons une qui est opérationnelle et une deuxième qui est quasi opérationnelle. Celle qui est opérationnelle, c'est la CRTV de toujours. Celle qui est quasi opérationnelle, c'est la CRTV d'information en continu. Celle-ci donc a fait l'objet d'une étude, d'un benchmarking, d'une consultation aussi élargie que possible, qui a été conduite par un journaliste chevronné, Charles Nongo, et les conclusions ont été rendues. Donc maintenant, c'est juste quelques questions de réglage qui sont des préalables à la mise en train, n'est-ce pas, de cette chaîne. Mais il y a une très grande assurance quant à son efficacité quand elle se mettra à fonctionner. Alors les autres, cela prendra un peu plus de temps. L'un des préalables à la mise en train d'une télévision, d'une chaîne, c'est la disponibilité d'un stock de contenu qui aura été mise en place dans l'esprit de la chaîne. Et je crois que les responsables des différents pôles qui ont été désignés veilleront donc à accélérer cette collecte des contenus. Et dès qu'ils seront prêts, on pourra les lancer. De la jeunesse, de la vivacité, de l'efficacité, de l'efficience, des qualités attendues des personnes choisies pour conduire cette révolution technologique et des contenus. L'option de la juvénilisation est claire, celle de la promotion du genre aussi. On n'a pas négligé le critère de compétence, mais comme vous dites, nous avons pensé que dans une entreprise où la pyramide des âges tente à être inversé, comme on dit, c'est-à-dire avec beaucoup plus de seniors que de jeunes, alors que l'avenir est à la jeunesse, comme vous le savez. Nous avons pensé qu'il y avait un acte volontariste et volontaire qu'il fallait poser pour que la jeunesse se sente davantage concernée. Une nouvelle ère, de nouveaux hommes et de nouveaux challenges. La CRTV est à la croisée des chemins. En attendant de prendre fonction mardi prochain, les nouveaux responsables mesurent déjà le poids de la charge et l'exaltation d'être des appelés au service de l'audiovisuel public. Alors, on m'a fait le reproche tantôt de n'avoir pas dit qu'il y a de nouvelles femmes également qui ont été promues. Heureusement que ça a été rattrapé dans cet élément de Evelyne Onaïsomba qui a bien précisé par la voix du directeur général que le critère genre a permis également de nommer un certain nombre de femmes, beaucoup de femmes à différents postes de responsabilité à la CRTV. Bon vent donc à tous ceux qui ont été promus. Peut-être pour aller dans votre sens, c'est la première fois qu'on a 5 des 10 chefs de station de la CRTV sont des femmes. C'est la première fois qu'une femme est directeur de l'information à la CRTV. C'est des choses très importantes. Voilà, c'est bien de le relever. Et maintenant, bon vent à tous ceux qui ont été promus, parmi lesquels Elvis Mimba, comme je vous l'ai dit tantôt, qui est promu rédacteur en chef délégué en charge d'Internet. Merci. Alors, passons à la deuxième une de scène de presse et nous parlons du tourisme au Cameroun. Le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature, mais malheureusement, notre pays peine encore à dépasser
passer le cap d'un million de touristes par an. Notre pays peine encore à vendre toutes ses richesses touristiques. Et nous accueillons sur ce plateau M. Jean-Baptiste Bamama, qui est directeur de publication du journal Tourisme Magazine. Bienvenue sur le plateau. Merci. Mais également chef Émile Ngoulou, qui est hôtelier et restaurateur. Bienvenue. Merci. Alors, M. Jean-Baptiste Bamama, la deuxième session du Conseil national du tourisme s'est achevée par un appel aux opérateurs économiques afin qu'ils investissent un peu plus dans le secteur du tourisme au Cameroun. Alors, à votre avis, c'est un appel qui peut être entendu ou bien qui doit être entendu? Alors, les deux à la fois, parce que les opérateurs touristiques, les opérateurs économiques essaient bon an mal an d'investir dans ce secteur-là. Mais il se pose un problème, celui selon lequel certains, parce qu'ils sont passés quincaillés, ils arrivent dans un domaine qu'ils ne connaissent pas, qui a des règles, comme tout domaine. Décidément, vous avez un problème avec ce qu'il faut dans la quincaillerie sur ce plateau. Donc, c'est un domaine qui a des règles, comme tout domaine. Mm. Et lorsque, parce qu'on s'est fait pousser quelques millions et qu'on pense qu'un hôtel, c'est facile à voir, et on le construit, on va consulter un cousin pour mettre comme directeur général, les employés ne sont pas toujours qualifiés. Effectivement, il y a un problème. Et donc, avec... Il faut aller au-delà de l'investissement. Il faut sécuriser même l'investissement. Il faut également prendre en compte les ressources humaines. C'est toutes ces choses-là qui permettent à l'entreprise d'être viable, d'être durable et d'être pérenne. Et il faudrait dire que malheureusement, on n'a pas encore assez investi dans le secteur du tourisme, parce que lorsque vous regardez de très grands événements qui se déroulent au Cameroun, et principalement dans la ville de Yaoundé, on se rend compte que le parc hôtelier n'est pas assez grand, n'est pas assez suffisant. Une fois que mes cinq hôtels majeurs, le Hilton, le Dioga, etc., sont pleins, il y a des problèmes pour être hébergé à Yaoundé. C'est vrai qu'il y a des projets de construction, il y a des groupes qui sont annoncés ça et là, à Yaoundé, à Douala, les hôtels 4-5 étoiles qui vont essayer de grossir un peu ce parc hôtelier-là. Mais franchement, il y a donc besoin de ce que les opérateurs économiques viennent investir ce secteur-là. Et je voudrais dire que l'État essaye de donner certaines garanties avec la loi de la promotion de l'investissement, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Nous y reviendrons. Le temps que nous accueillons Émile Ngoulou, à votre avis, qu'est-ce qui fait problème au Cameroun? On a toutes les richesses qu'il faut, on a le potentiel qu'il faut. On dit que nous sommes l'Afrique en miniature. Nous sommes l'Afrique en miniature. Malheureusement, nous n'accueillons pas plus d'un million de touristes par an. Qu'est-ce qui fait problème? Nous disons même que nous sommes toute l'Afrique en un, toute l'Afrique dans un pays. Malheureusement, ça reste de l'ordre des slogans. Et le véritable problème, à mon sens, est un problème de méconnaissance de l'intérêt du tourisme. Et donc, il faudrait peut-être tout remettre à plat. À commencer d'abord par le niveau le plus important de ceux qui prennent les décisions pour le tourisme. Très souvent, nous, opérateurs de ce domaine, nous avons l'impression d'être dans quelque chose qui pourtant touche à tous les secteurs de la vie nationale, mais qui est le moins bien appréhendé pour que de bonnes décisions soient prises. Donc au niveau de l'administration, c'est presque tout faux dans la perception de la place du tourisme dans la vie d'un pays comme le Cameroun. Au niveau même de la richesse du Cameroun, le Cameroun est beaucoup trop riche. Parce qu'on connaît des nations qui vivent pleinement de leur tourisme en n'ayant qu'un seul produit, alors que même quand on rentre dans les standardisations, on se rend compte que le Cameroun a presque tout le pays touristique possible. Il n'y a que la neige que nous ne puissions pas vendre ici, mais sinon tous les autres produits, nous les avons pratiquement. Et maintenant, au niveau des opérateurs, effectivement, il y a un problème de ressources humaines qui est tout à fait normal. Parce qu'en fait, l'hôtellerie, c'est quoi ? Quand je l'explique simplement, c'est la traduction en normes, le mot apparaît, de la vie en fait quotidienne des Occidentaux. Pour nous, Africains, il n'est pas facile de l'appréhender. Il n'est pas évident pour n'importe lequel des employés d'hôtel qui, à la maison, est le roi, de devenir en 30 minutes, le temps de son routage, pratiquement l'esclave que nous devons être quand nous sommes déjà en train de travailler. Et c'est justement ce que Jean-Baptiste relevait tout à l'heure. Vous qui êtes vraiment dans le secteur, vous faites dans la restauration, il y a le problème de la qualité
des personnels que vous employez. Lorsqu'un touriste arrive et qu'il est mal reçu dans un restaurant, qu'il est mal reçu dans un hôtel, est-ce qu'il a vraiment envie de revenir au Cameroun? Le touriste, avant même d'être reçu dans un hôtel, a envie de rentrer chez lui très rapidement, parce qu'à l'ambassade, il est traité pas comme il faut. À l'aéroport, c'est à peine si on ne le met pas dans un conteneur. Avant, à l'aéroport, je veux dire, j'ai des amis qui sont arrivés au Cameroun, entrés à Yaoundé, je crois qu'ils sont entrés à Yaoundé, pas à Simalène, ils sont entrés le 8. Ils se retrouvent allant à San Malima le 14, on leur a demandé un visa de transit pour entrer à San Malima. Soyons sérieux, enfin, un tel touriste, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'aura pas une bonne image du Cameroun. Mais maintenant, dans les hôtels, effectivement, comme je disais, il y a besoin d'accompagner tous ceux qui travaillent dans les hôtels, parce qu'on les amène dans un domaine qui n'a pas grand-chose à voir avec le quotidien, qui n'est pas du tout valorisé chez nous. J'en veux pour témoin la bataille que j'ai dû faire pour exercer le métier que j'exerce. Il a fallu vraiment être un peu follement passionné et bénéficier peut-être d'un amour paternel bien fort pour que je puisse exercer ce métier, parce qu'on ne fait pas grand cas de ceux qui pratiquent ce métier-là, quel que soit l'aspect. Alors, pire encore, quand il s'agit de la cuisine, c'est très mal appréhendé. Quand on est dans les chambres, c'est mal vu. L'hôtel est même perçu comme un endroit où il ne se passe pas toujours que de bonnes choses, alors qu'en fait, l'hôtel, c'est votre chambre en dehors de chez vous. Le restaurant, c'est votre salle à manger en dehors de chez vous. Donc, on devrait les considérer autant qu'on considère sa propre maison. Et là encore, c'est moindre. On devrait, au niveau de l'État, prendre le tourisme comme une plus-value. C'est-à-dire, l'administration doit savoir que le moyen le plus rapide de gagner de l'argent dans un pays, ce n'est pas le tourisme. Le touriste rapporte de l'argent avant même qu'il arrive au Cameroun. Les citoyens doivent comprendre que le touriste n'est pas quelqu'un qu'il faut presser, qu'il faut rançonner. On doit le respecter parce que chaque fois qu'un touriste consomme quelque chose, il enrichit le Cameroun. Et je reviens à l'administration. Ce qui se passe aux impôts maintenant, c'est quoi? Ah oui, un tel, on le voit beaucoup, on parle beaucoup de lui, il a certainement de l'argent, on va fouiller dans ses poches sous forme d'impôts, il faut qu'il paye les impôts, ça n'enrichit pas le Cameroun. C'est comprendre la poche d'un citoyen qu'on met dans les caisses de l'État n'a pas enrichi le Cameroun. Par contre, en fait, c'est qui... le sandwich qu'un touriste achète quand il est arrivé au Cameroun, c'est de l'argent étranger qui enrichit tout de suite le Cameroun. Donc le tourisme est fatalement une plus-value et nous devons tous la soutenir. Parfait, c'est qui partout, dans certains autres pays, le tourisme est une véritable industrie. Alors, je le disais à l'entame de la deuxième partie de ce débat, que le Cameroun a pratiquement tout pour avoir également pour être également une destination touristique pour avoir cette industrie-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui marche chez les autres et qui ne parvient pas à marcher chez nous? Bon, chez nous, on va dire les choses clairement, il n'y a pas de volonté politique de faire du tourisme une industrie. Est-ce qu'on n'a pas compris chez nous que c'est une niche non seulement d'emploi, mais également de milliards? Peut-être qu'on a compris, mais puisqu'on le dit dans les discours, on l'a donc compris, mais on n'a pas pris la décision politique de le faire, tout simplement pas. Alors, je voudrais simplement qu'on regarde. Parlons des infrastructures hôtelières. Le seul 5 étoiles qu'on ait au Cameroun, qui est le Hilton, a été construit par l'État. Et il a été construit dans les années 90, au début des années 90, au moment où l'État était déclaré par les institutions financières comme étant insolvable. Mais on a pu construire, dans cette période difficile, le Hilton. Avant ça, on a fait le Montfébé. Et quand l'État n'a pas pu faire ça, les autres opérateurs, les privés notamment, ont pu faire ils ont pu construire des infrastructures de moindre importance. C'est un message à l'État pour dire, si l'État ne fait pas, on n'aura pas d'infrastructures dignes de ce nom dans ce pays. Donc l'État doit prendre la décision, le pouvoir politique doit prendre les choses en main et dire, nous voulons faire du tourisme une source de richesse dans ce pays. Mais regardez bien donc, Le budget du ministère du tourisme, il faut voir où il est situé dans la hiérarchie des budgets. Vous comprendrez bien quelle est la place qu'on donne au tourisme. Moi, j'ai rien contre le ministre d'État Bello Bouba, mais j'ai l'impression qu'il s'ennuie bien
au ministère du Tourisme. Vous avez cette confidence là? Non, mais enfin, j'ai l'impression, on l'a connu plus actif dans d'autres secteurs. Mais je veux dire que si on voulait faire du tourisme une véritable industrie, ça se saurait. Ça se saurait parce que là où on veut faire du tourisme une industrie, on prend les mesures qu'il faut. Elvis Mbimba vient d'une cité balnéaire. Donc, lorsqu'on parle de tourisme, il sait très bien de quoi il est question. Oui, bon, je voulais dire deux choses. J'ai deux idées. Je pense d'abord que le tourisme est tiré un peu par le tourisme interne. Je crois que dans tous les grands pays touristiques, on va observer qu'il y a déjà une forte activité de tourisme interne. Or, je remarque qu'en la matière, la promotion du tourisme au Cameroun consiste essentiellement à assurer la présence dans les salons, les foires qui sont organisées à l'extérieur. Il n'y a aucun programme, aucune activité même qui est créée. J'ai vu les colonies qu'on faisait pour des jeunes en vacances et je me pose la question, pourquoi on n'organise pas ce type d'action pour les fonctionnaires, pour un certain nombre de cadres. Il y a également les séminaires qui sont organisés. Merci pour les séminaires, mais je veux dire des petites opérations qui vont amener les Camerounais à visiter le Cameroun. Parce que j'imagine que si ceux qui vivent à Yaoundé visitaient un peu le Cameroun, peut-être que notre regard sur le tourisme même aurait pu changer. Mais on a toujours l'impression que le tourisme s'est réussi à faire venir quelques blancs. Or, je pense que le tourisme interne peut tirer vers le haut le tourisme de manière générale. La deuxième chose, parce que je ne sais pas si j'aurai l'occasion, quand vous m'avez dit qu'il y a le tourisme à Saint-Déprès ce soir, je veux à tout prix dire que le développement du tourisme repose aussi sur les grands événements. Nous avons la CAN que nous organisons en 2016, ben surtout en 2019. Généralement, autour des grands événements, on prépare tout le secteur touristique, hôtels, restaurants. On travaille à améliorer la qualité des performances de manière à frapper un grand coup et à faire en sorte que tous ceux qui vont venir ici pendant la CAN aient envie de revenir ou rentrent avec un bon témoignage qui va faire revenir. J'espère qu'on ne va pas rater ce coup-là. Alors, nous l'espérons également et nous allons à nouveau marquer un arrêt dans cette édition de Scène de Presse pour revisiter l'actualité de la semaine. C'est la revue de presse que signe Gladys Le Bouda. Rentrée sanglante à Kerawa depuis jeudi dernier. La lueur du quotidien Le Jour nous révèle que cette localité de l'extrême nord a été la cible de deux attentats suicides dans la matinée de jeudi. Le messager parle d'un carnage. Une fois encore, la secte a utilisé l'innocence de deux jeunes filles pour semer la mort. Les chiffres officiels font état d'une vingtaine de morts et de 145 blessés. Le gouvernement appelle au calme en une de Cameroun Tribune. Face à la presse, le ministre de la Communication salue le courage des populations qui défient Boko Haram en neutralisant ces éléments ou en transmettant des informations aux autorités. Pour motiver les sources, l'État américain met 4 milliards de francs CFA sur la tête d'Aboubacar Shekau. Selon le messager, le pays de Barack Obama compte ainsi récompenser toute information capitale pour l'arrestation du chef de la secte. La vigilance reste donc de mise en cette veille de rentrée scolaire. Par mesure préventive, 161 écoles de l'extrême nord garderont porte close ce lundi, selon Mutation. Ailleurs, c'est l'heure de régler les pendules du premier jour de classe. La presse a flashé l'ambiance classique des bousculades en librairie, des gares surchargées et des inscriptions bâclées. Le Jour déballe le sac à problèmes et démontre que la gratuité de l'école publique reste relative. Le messager fait le même constat à Douala et souligne que certains parents doivent monnayer pour faire admettre leurs enfants dans une école publique, 13 ans après le décret présidentiel instituant la gratuité. Le quotidien de l'économie se fait l'écho des querelles entre libraires et éditeurs sur l'inflation du prix du livre. Dans les colonnes de Cameroun Tribune, la CONAC s'indigne des pratiques peu orthodoxes dans les écoles. L'instance de lutte contre la corruption dénonce le monnayage des places, le recrutement irrégulier des élèves et autres perceptions de frais illégaux ou ventes illicites dans nos établissements.
Rentrée innovante pour la CRTV, désormais parée pour le numérique. Cameroun Tribune nous apprend que l'Office de radiodiffusion, télévision camerounaise, a fait sa mue à l'issue d'un conseil d'administration extraordinaire tenu de lundi à mercredi. La séparation entre radio, télévision et diffusion est désormais effective avec la nomination des responsables de chaque direction. Charles Ndongo devient le directeur central de la télévision, Alain Belibi prend la tête de la radio et Chiat Théophilus Salifou celle de la diffusion. Le nouveau visage de la CRTV revêt surtout la fraîcheur de la jeunesse et la finesse du critère genre. TNT oblige, les 6 nouvelles chaînes publiques verront le jour progressivement, nous dit Amadou Vamoulke dans les colonnes de Cameroun Tribune. Le public pourra découvrir dans les prochaines semaines CRTV News, la chaîne d'information en continu, en attendant les chaînes sport, culture, régionale et entertainment. Triste rentrée pour Ia Mohamed qui écope de 15 ans de prison, comme l'annonce le messager. Le verdict a été rendu jeudi par le tribunal criminel spécial après 2 ans d'une procédure saccadée. Selon la nouvelle expression, l'ancien directeur de la Sodecoton est ainsi inculpé du détournement de près de 12 milliards de francs CFA. Radieuse rentrée à vous et à dimanche. Retour sur le plateau de Saint-de-Passe. Nous continuons de parler du tourisme au Cameroun. Jean-Baptiste Bamamba, Elvis Mbimba parlait tantôt du tourisme intérieur ou interne au Cameroun. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Camerounais aient envie de visiter leur pays, de connaître leur pays, à votre avis? J'imagine que vous avez parcouru les 4 coins du Cameroun. Qu'est-ce que vous avez vu et qu'est-ce que vous pouvez vendre à ceux qui nous écoutent? Alors, c'est une excellente question, mais vous me permettrez de corriger une ou deux choses sur les propos en même temps d'Elvis tout à l'heure et puis de Parfait. La construction des hôtels ne relève pas du domaine de l'État. Aucun pays touristique dans le monde entier n'a des hôtels parce que c'est l'État qui a construit ces hôtels. Les hôtels existent parce que ce sont les grands groupes qui les construisent et le tourisme est davantage l'affaire des privés. Il y a une part du pouvoir, il y a une part donc de l'État, mais cette part-là ne revient malheureusement pas à l'État. C'est au privé de construire. Mais et face lorsque... à l'absence du privé, l'État est si, bien si. Obligé de... Le privé est prolifique et continue à être prolifique. Il y a plusieurs hôtels, si on regarde à Yaoundé, qui ont certains hôtels, même s'il y a encore un niveau qu'il faut rechercher. Et c'est d'ailleurs pour cela que certains groupes internationaux vont bientôt s'installer donc aussi bien à Yaoundé qu'à Douala. Et maintenant, vous parliez du tourisme interne qu'évoquait Elvis tout à l'heure, même si lui aussi j'ai envie de le reprendre un tout petit peu. Hein. Il disait qu'il n'y a pas assez d'événements qui sont organisés pour peut-être les fonctionnaires, d'autres personnes, d'autres catégories sociales. Il a parlé des colonies de vacances. Ce sont des essais que le ministère du Tourisme et des Loisirs a lancés pour faire bénéficier aux meilleurs élèves dans les écoles à travers quelques régions. Alors, Lucrèce, le tourisme interne nous concerne, nous tous. Et je reviens positivement dans l'exemple d'Elvis qui parlait d'organiser les voyages. Lorsque la CRTV chaque année fait sa campagne, sa rentrée des programmes, la CRTV se déploie à un endroit. C'est du tourisme. Je me rappelle qu'en 2014, la CRTV s'est déployée à Kribi. Mais regardez le nombre de reportages qui ont été faits sur la ville de Kribi. J'ai l'honneur de faire partie de certains de ces reportages parce qu'à travers mon émission Welcome to Cameroun sur la CRTV Télé, j'avais également fait une émission là-dessus sur la ville de Kribi. C'est de tels événements qui participent du tourisme interne. Malheureusement, l'opinion pense que le tourisme n'est que une affaire de grands, entre guillemets, et de grosses bourses. Et c'est justement cet esprit-là qu'il faut changer. Parce que là, vous parlez d'une initiative de la CRTV qui est salutaire, mais au niveau de l'esprit du Camerounais, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui peut être l'élément déclencheur. Et même ces personnalités-là, pourquoi aller passer ses vacances à, je ne sais pas moi, de l'autre côté, plutôt que d'aller à Kribi, d'aller à, je ne sais pas moi, dans les régions du Nord. Peut-être que si on sait que telle élite va là-bas, nous aussi, on aura envie d'y aller, peut-être. Exactement, Lucris. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de dire aux Camerounais et de le dire à suffisance. Le tourisme, c'est une affaire de tous. Regardez la ville de Yaoundé. Quelquefois, les gens disent qu'on ne peut pas pratiquer le tourisme à Yaoundé. C'est faux. Combien de personnes connaissent le mont Elumden?
Nous irons là-bas à l'occasion de la journée mondiale du tourisme, donc qui se célèbre chaque année le 27 septembre avec la délégation régionale du tourisme. Pour aller au Mont Elundem, on n'a pas besoin de plus de 5000 francs. Pour aller en Balmayo et découvrir un des sites touristiques imprenables, incontournables dans la région du centre, qui est le village écotouristique des Bogos, on n'a pas besoin de 10 millions. N'importe lequel des Camerounais peut économiser en un an, chacun suivant sa bouche, 5, qui 10 000, qui 15 000, et va visiter une destination. Et je chute là-dessus pour dire que si chacun de nous prend donc cette conscience-là et faisons des activités, il y a des moments où Elvis peut avoir un confrère européen et tout, il lui dit, ben, écoute, viens faire un reportage au Cameroun, ça participe du tourisme également. Donc c'est l'affaire de tous et ce n'est pas toujours une affaire onéreuse. À l'entendre parler, on a l'impression que le tourisme est une œuvre sociale. Il faut appeler tout le monde pour venir faire le tourisme. On définit le tourisme sur le plan international comme étant un phénomène économique et social. C'est comme ça qu'on définit le tourisme sur le plan international. Je vous rappelle que le tourisme représente quand même 9% du PIB international. Ça représente un emploi sur 11. Le tourisme, c'est en 2014, 1 milliard 400 millions de dollars américains. C'est d'abord une affaire de tous et de chacun. Non, ce n'est donc pas... Tout ce que vous venez de dire comme chiffre montre bien que ce n'est pas une affaire de... Ce n'est pas une œuvre sociale dont on n'a pas appelé les gens pour qu'ils aillent à 5 000 francs au Mont Elundem ou je ne sais pas où. Et donc, je pense que les privés, aujourd'hui, ont montré leurs limites dans notre pays en matière d'investissement dans les infrastructures touristiques. Et d'ailleurs... Par rapport à la CAN 2016 et CAN 2019 dont parlait Elvis tantôt, ce que l'État va faire, c'est qu'il va venir en appui à ceux qui sont là installés, qui ont leurs hôtels, qui sont parfois désuets. L'État va investir dans ces hôtels-là pour pouvoir les remettre à niveau. Et l'État va aider d'autres entrepreneurs qui sont en train de vouloir s'installer pour que les projets commencés puissent s'achever. Ça indique simplement que la personne qui a la puissance économique qu'il faut, qui peut être la garantie, même si les privés doivent contracter des crédits pour construire, pour bâtir, c'est l'État. Donc s'il n'y a pas la volonté politique là, qui va de la base de tout, on ne s'en sortira pas. On ne s'en sortira pas. On peut faire des appels comme on veut. Le tourisme reste un loisir, c'est-à-dire quelque chose qu'on pratique quand on a fini de résoudre les problèmes essentiels. Alors, nous sommes combien à pouvoir nous payer le luxe d'avoir des loisirs et des loisirs qui nous amènent hors de notre lieu d'habitation? Nous sommes combien dans ce pays? Donc, si on veut faire des Camerounais la cible, bon, on obtiendra 500 000 touristes, comme on est fier d'être une destination touristique, parce qu'à partir de 500 000, selon les règles internationales, vous devenez une destination touristique. Mais si le tourisme doit rapporter de l'argent, j'allais dire des devises, c'est l'argent que l'on apporte de l'extérieur qui a le plus de valeur que celui que nous-mêmes on fait tourner ici entre nous. Alors, Émile Ngoulou, est-ce que les opérateurs du secteur aspirent à certaines facilités qui tarde peut-être à être mise en place? Qu'est-ce que vous souhaitez pour que ce secteur-là rapporte un peu plus au Cameroun? Merci, parce que ça me permet de revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Le plaidoyer qu'on donne au tourisme, la place qu'il doit avoir dans l'économie du Cameroun. Parce qu'en fait, on ne semble pas encore se rendre compte, et je vais davantage peut-être pour question de proximité, insister sur le fait que sans l'administration, il ne peut pas y avoir de tourisme national. Donc l'État a tout son rôle à jouer dans cette affaire. Parce qu'en fait, jusqu'ici, nous parlons d'un tourisme réduit. Le tourisme, ce n'est pas seulement le déplacement. Ou alors, quand on veut considérer le déplacement, il faut que l'on regarde à tout. D'où un outil international et de comparaison d'ailleurs, en même temps de suivi, que l'Organisation mondiale du tourisme, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, a mis en place, qui est le compte satellite du tourisme, qui en fait permet, avec des standards reconnaissables et comparables dans tous les pays, de ressortir l'impact effectif
de l'activité touristique dans un pays. Parce qu'en fait, le tourisme, c'est quoi? Le tourisme, déjà, lui-même en tant qu'offre, c'est les hôtels, c'est les restaurants, c'est les agences de voyage, c'est les discothèques et ainsi de suite. Donc, c'est un ensemble hétéroclite de produits qu'il est difficile de pouvoir percevoir. Mais au-delà de ça, quand le tourisme vient, il consomme des biens et des services d'administration, ne serait-ce que les visas. Il consomme d'autres biens et services qui ne sont pas touristiques. C'est une injustice de ne pas nous reconnaître que nous avons un impact dans des activités non touristiques, d'où la transversalité de notre activité, et qui fait que, malheureusement, le Cameroun, et pourtant on voit des pays dont nous nous vantons d'être plus grands, avoir établi déjà leur compte satellite, le Cameroun aujourd'hui, et c'est même la question, qu'est-ce qui fait problème au Cameroun? C'est le manque de perception, d'appréhension de la vérité du tourisme dans la vie nationale. Parce que la mentalité camerounaise également. Le président de la République l'avait placé lors d'une campagne 5e objectif. Le DSCE l'a rétrogradé, l'a mis 6e. Je revendique un tourisme premier objectif comme activité économique d'enrichissement de ce pays. Parce que le tourisme est là, on n'a pas besoin d'être passionné. Le tourisme rapporte plus rapidement que n'importe quelle autre activité. Le tourisme aujourd'hui, tous les pays du monde, et ce n'est pas par hasard que le tourisme est la première industrie dans le monde entier aujourd'hui, le tourisme a justement besoin d'avoir sa place. Et quand il aura sa place, on ne va plus procéder comme on a fait dernièrement. Il a été arrêté qu'il y aurait 3 codes spécifiques d'activité au Cameroun. Les banques et les pétroles ont eu leur code, le bois a eu son code spécifique, mais le tourisme n'a plus jamais eu son code spécifique parce que peut-être il n'est pas suffisamment important, bien que cela ait été décidé. De la même façon qu'on a appris lors du dernier conseil que des avantages qui nous avaient été concédés sont confisqués par le ministère des Finances parce qu'il aurait quelques raisons subjectives. C'est entendu. Il y a une question que je donc vous ai on respecte la loi en ce qui concerne les activités du tourisme, et surtout qu'on aille jusqu'au bout, parce que nous n'avons pas de compte satellite, parce que le ministère des Finances n'a pas encore dégagé le financement pour que nous ayons un compte satellite. Et là, on saura ce que représente effectivement l'activité tourisme dans la vie du Cameroun, et je suis sûr qu'on le percevra différemment. Merci, c'est entendu. Alors, Jean-Baptiste Bamamba, à un moment, je vous ai posé la question de savoir qu'est-ce que le Cameroun peut vendre, autant à l'intérieur, donc autant aux Camerounais, qu'à l'extérieur. Vous qui avez parcouru un peu notre pays, les 4 coins de notre pays, qu'est-ce qu'on peut vendre? Qu'est-ce que nous avons à vendre? Qu'est-ce que nous pouvons mettre en vitrine? Le Cameroun, donc, dans sa stratégie de développement, depuis quelques années, le produit phare qu'on veut mettre en avant, c'est l'écotourisme. C'est-à-dire, c'est la nature, c'est les beaux paysages. Je vous ai cité tout à l'heure le cas du village écotouristique des Bogos. Mmh. C'est le produit phare que le Cameroun présente. Dans toutes les régions du Cameroun, j'en ai parcouru 9. La seule, malheureusement, que je n'ai pas parcouru, c'est l'Est. Pourtant, je travaille avec quelqu'un de l'Est. Donc, il y a de très beaux paysages. Vous allez à la réserve du Dia, c'est imprenable, c'est incroyable. Vous allez au Nord, hein, c'est aussi paradoxal que cela puisse paraître. La région du Nord n'a pas, comme on voudrait le faire croire, beaucoup de problèmes de sécurité, donc il y a beaucoup de touristes qui vont là-bas. Vous avez et tous les sites qu'on peut y avoir. Vous allez au littoral, c'est la même chose. Donc le Cameroun peut vendre et doit vendre ces sites-là. Chaque fois qu'un touriste vient... Vous allez à Kribi, justement. Vous pouvez voir les pygmées. Donc moi, je viens de conduire quelques pygmées là-bas. Et il faut dire que depuis qu'on a atteint la destination, on est devenu destination touristique depuis 2010. On a évolué et on est pratiquement à 912 000 à l'heure actuelle. Et le DSCE a donné comme chiffre que d'ici 2020, que nous atteignions 1 million de touristes internationaux et que nous atteignions dans le même temps 6 millions de touristes internes. On a tellement donc d'éléments de sites touristiques à revendre. Alors, messieurs et messieurs, nous allons marquer un autre arrêt dans cette édition de Scène de presse pour le portrait de la semaine. C'est également un acteur, ou plutôt une actrice,
du tourisme camerounais. Elle est une actrice du tourisme camerounais à sa manière. Son nom, Angèle Etundi Essamba. Son métier, photographe d'art. Voilà 30 ans déjà que cette véritable artiste promeut l'image de l'Afrique en miniature qu'est le Cameroun à travers les clichés des femmes ici et là. Le portrait d'Angèle Etundi Essamba, c'est un reportage de Rachel Malongo. Offrez-lui une scène quelconque, elle en fera un décor de rêve. Une symbiose entre l'objectif, la nature et elle, au résultat flatteur. Je choisis les modèles selon les différentes émotions que je veux immortaliser. Les photographies que je réalise, que je décide de montrer, sont réellement créées. La photographie d'art, aboutissement d'une fascination pour le corps humain, une passion vieille de 30 ans. C'est une passion qui vient depuis mon très jeune âge, vouloir représenter le corps humain d'une manière autre. Une passion déclinée en clichés, éclats de couleurs, de lumière, développée puis mise en musique à travers 6 catalogues, dont le plus récent est Invisible. Je montre ces femmes qui sont, qui participent activement à la construction du continent et qui ne sont pas toujours reconnues. La suite d'une série sur la femme, pièce maîtresse de son art. Le sujet épouse tous les angles, tous les décors, eau, terre, ciel, un génie auquel elle mêle la poésie. Le dernier projet d'Angèle Etundi Essamba s'appelle Ayam, un magazine dédié à l'art, aux femmes et à l'Afrique, qui sortira des pages pour occuper les planches à la faveur d'une exposition en octobre prochain à Douala. C'est d'abord un magazine, mais c'est aussi un site, ce sont des événements, donc c'est vraiment une plateforme. Et le premier numéro a été donc dédié à la création artistique contemporaine camerounaise. Angèle Etundi Essamba, c'est une vie consacrée à la photographie. 30 ans, pas moins, qui seront célébrés en novembre prochain. Une rétrospective en images à Dakar, au Sénégal. Dans quelques instants, nous allons retrouver Aurélie Crescence Bida pour les unes du lundi. Mais avant, je signale qu'en ce qui concerne le journal Intégration, c'est une édition spéciale en couleur d'une trentaine de pages qui va paraître ce lundi. La sortie de ce numéro sera suivie d'une conférence internationale que le journal organise le mardi 8 septembre à l'amphithéâtre de la Croix-Rouge sur le thème « L'intégration régionale à l'épreuve des périls sécuritaires en Afrique centrale ». Il est prévu avant la conférence de vernissage d'une exposition photo sur les périls sécuritaires en Afrique centrale. Et maintenant, nous allons donc retrouver Aurélie Crescence Bida pour les unes du lundi. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Lucrèce, chers téléspectateurs, bonsoir. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve pour notre revue des unes du lundi. Cette fois, l'actualité est marquée par la rentrée scolaire. Actualité oblige donc, Cameroun Tribune, Barça 1 avec rentrée scolaire 2015, 6,5 millions d'élèves au départ. Précision du quotidien bilingue national, 4,5 millions d'élèves dans le primaire et 2 millions dans le secondaire prennent le chemin de l'école ce lundi, dans un contexte sécuritaire particulier. Plus de détails en page 9. Le journal de Marie-Claire Nana revient en pied de une sur l'audience du Premier ministre Philémon Yan au nom du chef de l'État accordé au directeur général de la FAO vendredi dernier. José Graziano de Silva en a profité pour saluer l'effort du gouvernement camerounais à lutter contre la famine, un des objectifs millénaires pour le développement. L'actualité à la une du quotidien Mutation n'a rien à voir avec la rentrée scolaire 2015. Le journal de Xavier Messeux parle de Cameroun, le volcan de l'intolérance religieuse. Le journal privé de la rue de l'Aéroport affirme que dans son dernier rapport international, Crisis Group observe que la méfiance s'installe entre les groupes religieux à travers le pays.
Pour cette ONG internationale, les églises de réveil ont tendance à diaboliser les autres confessions religieuses et à se refermer sur elles-mêmes. ICJ s'inquiète également des répercussions des mesures prises par les autorités suite aux attentats suicides sur la cohabitation entre les églises. Vous lirez en plus les réactions de Claude Abbé et d'Olivier Billet sur ce phénomène. Un tour dans le sud avec le journal L'Immigrant qui met en exergue la communauté urbaine de Bolova. Guy Roger Zorluman rompt le silence à travers un entretien exclusif de l'édile de la ville du chimpanzé pourri. Le journal d'Éric Zibia Tangana pose la question de savoir ce qui coince le redéploiement des enseignants en cours d'intégration dans la région du Sud, surtout en cette période de rentrée scolaire. L'Immigrant révèle que la liste de ces 500 enseignants voltige entre la délégation régionale du Minesec et les services du gouverneur depuis 6 mois. Intégration parle lui aussi de toute autre chose, notamment la guerre contre Boko Haram à l'extrême nord du Cameroun, dans les champs de bataille. Le journal de Thierry Ndon affirme que des bidons de sang humain et des vidéos de propagande sont en circulation dans l'une des îles camerounaises occupées par la secte islamiste dans le lac Tchad, entre autres. L'équipe de scène de presse se félicite donc et encourage notre confrère Thierry Ndon, directeur de publication d'intégration, qui célèbre le numéro 200 de son journal. Vous avez d'ailleurs lu le programme tout à l'heure, Lucrèce. Et c'est sur cette une d'intégration que se referme notre revue des unes du lundi. Le reste de l'actualité est en kiosque. Vous, fidèles téléspectateurs de la diaspora, l'information est en continu, en ligne. Ne l'oubliez pas, la primeur de l'info, c'est sur scène de presse. À dimanche. À dimanche, Aurélie, et merci pour toutes ces nouvelles. Les unes, c'était donc la rubrique, les unes du lundi. Alors, nous continuons de parler des voies pour pouvoir, des pistes hein, pour pouvoir faire du tourisme au Cameroun une véritable industrie. Elvis Mimba, vous avez d'autres solutions à proposer pour. Sur la question des hôtels tout à l'heure, je pense qu'il n'est pas mauvais d'attirer des grands groupes hôteliers au Cameroun parce que ce sont des enseignes qui ont une bonne réputation et qui peuvent contribuer à attirer plus facilement. Parce que lorsque quelqu'un se renseigne sur le Cameroun et qu'il sait qu'il y a ces grandes marques qui sont présentes au Cameroun, il est plus rassuré. Et à condition peut-être que ces groupes investissent autant au Cameroun qu'ils investissent ailleurs. Ça dépend. Je pense que dans certains pays où ils se retrouvent, ils ont eu un certain nombre de facilités. On veut dire l'environnement a été attractif. Si cet environnement est aussi attractif au Cameroun, ils viendront. Alors, Monsieur Émile Engoulou, vous avez d'autres solutions à proposer? Tout à l'heure, on a parlé d'écotourisme, mais vous ne semblez pas très partant pour cette solution-là. Oui, en fait, je reviendrai, quitte à avoir dit la même chose, je reviendrai à revendiquer, à réclamer, si c'est possible même, à commander le CST, le compte satellite du tourisme. Parce que c'est ce compte qui permettra de prendre des décisions à partir de données évidentes. On saura que la cuisine camerounaise rapporte tant au Cameroun, et il vaut mieux davantage vendre la cuisine plutôt que de vendre l'écotourisme, qui me paraît un produit non seulement très élevé, mais plutôt un produit de luxe. On saura que le tourisme culturel rapporte tant au Cameroun. On partira de données chiffrées. Et là, autant l'administration aura des outils pour prendre des décisions. Les privés auront des éléments qui leur permettent de choisir des axes d'investissement. Et même les populations pourraient être orientées vers un comportement parce que c'est l'outil, en plus, qui a l'avantage de pouvoir mesurer l'évaluation, de pouvoir évaluer les objectifs que l'on s'est donnés. C'est l'outil qui permettrait de savoir effectivement de quel côté on doit aller parce que le Cameroun a le problème d'être trop riche. Et comme c'est le cas, quand on est trop riche, on ne sait plus apprécier la richesse que l'on a. Le Sénégal n'a qu'un seul produit, il se vend mieux que nous. Il n'y a pas de raison que le Cameroun, qui a
que tous les autres produits ne sachent pas se vendre. Je prétends que c'est parce qu'il ne s'est pas encore arrêté pour savoir qu'est-ce qui est effectivement important pour son activité économique. Merci, merci messieurs d'être venus. Madame, monsieur, nous sommes parvenus au terme de cette édition de Scène de presse. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles. Merci à vous, chers invités, d'être venus. La presse quitte la scène. Bonsoir et merci.